Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme vous le voyez, c'est le retour du soleil. Cette semaine dans la vidéo, et ben ça va être du terrassement. On y a beaucoup bossé, ça a pris pas mal de temps cette semaine. Pour vous résumer, on a fait pratiquement que ça, hormis le jeudi où j'ai réussi à écarter les premiers engrais. Ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Je voulais vous faire uniquement du terrassement cette semaine. Là, comme vous le voyez, il y a Eurovia, donc c'est une entreprise qui font des routes, des enrobés et de l'aménagement au bord des routes, qui sont venus préparer la plateforme pour faire l'enrobé. Donc je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, ça se fera en enrobé. Et on a profité en fait qu'ils étaient à côté de la ferme sur un chantier pour qu'ils viennent le faire. Et ce qui permet d'avoir des coûts un petit peu plus réduits sur toute la mise en place du chantier. Il y aura moins de frais et tout d'acheminement de matériel vu qu'ils sont juste à côté. Donc c'est pour ça qu'on le fait tout de suite. Voilà. J'en profite pour vous dire que demain, enfin non, qu'aujourd'hui, vu qu'on est dimanche, le jour de la sortie de la vidéo pour vous, qu'il y a le concours Miss Montbéliard à Saint-Paulien. Donc ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas à passer. Moi je vous souhaite une bonne vidéo, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Vous êtes quand même 50% à regarder et pas être abonné, je vous vois. Donc abonnez-vous et je vous rappelle le défi pour le mois de mai, une vidéo par jour, si on atteint pratiquement les 50 000 abonnés. Voilà, allez, moi je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, ça fait deux semaines qu'on était dans la neige en début de vidéo, là ça change un peu. On est en t-shirt, il fait pas froid, mais il pleut. Bon, on va pas se plaindre, hein. Ça se trouve dans deux mois il pleuvra plus, on criera l'eau et puis on pourra que subir le sort de la météo. Bon, qu'est-ce qu'on attaque de beau en ce lundi matin de bonne heure et de bonne humeur. Donc là il est 7h. Et j'entame déjà mon premier tour à la carrière. Ce matin, j'ai attaqué à 5h30, j'ai fait tout le boulot, enfin une partie du boulot des génies en bas. Préparer un peu de matériel, faire plein des tracteurs, graisser un peu le matos, afin de pouvoir attaquer direct dès qu'on peut, donc le lisier. Erwan, il va attaquer ça ce matin quand il va arriver. Donc la fosse est plus que pleine, je vous ferai voir. Et moi j'ai entamé les tours à la carrière, donc j'ai changé d'ensemble. La semaine dernière vous aviez pu voir que c'était l'Arion et la BNTP, parce qu'on avait mis l'Action et la Robuste pour faire les tours de Pouzzolane. Sauf que comme vous l'avez vu en fin de vidéo la semaine dernière, on a eu un souci avec la benne robuste. Le timon, bon, je pense que aussi ça vient qu'on la sollicite, la remorque, elle fait que sortir du fumier pratiquement. Et le timon s'est fendu dessous et s'est coupé, tac, comme ça sur le dessus. Heureusement, je dis bien heureusement, on était sur une petite route où il passe pas grand monde. Ça nous a permis de démonter le timon tranquillement, de pouvoir l'amener pour le faire souder. Donc je dis bien, on a réparé pour du temporaire, c'était juste pour enlever la remorque de la route. Donc on avait soudé un gros fer plat dessus et dessous afin de pouvoir enlever la remorque et terminer quoi. Donc ça a fait un peu une saignée dans le goudron, mais bon, quand on va faire de l'enrobé, vu que c'est une route où il passe pas grand monde, on a convenu avec le maire qui appartient à la route qu'on rebouche avec de l'enrobé, donc ça leur allait très bien. L'histoire s'est pas trop mal terminée et pour pas être embêté par la suite, on va carrément changer le timon, comme ça on sera tranquille. Bon voilà, moi j'arrive à la carrière, je vais peser à vide, je me rappelle plus du poids de cet ensemble.
Et puis on est parti pour une journée TP. Voilà, ça devrait être sympa. Ils annoncent beau normalement, même si pour le moment il pleut, pour pas changer d'habitude. Eh ben allez, on est parti. Allez, je vous fais quelques prises de vue. Je vais profiter de mon premier tour pour faire charger un peu mes micros parce que je vois qu'il n'y a plus de batterie. Allez, c'est parti. Matinée, il va être midi, je fais mon dernier tour du matin, j'ai pas perdu mon temps, j'ai fait 5 tours, il me faut à peu près 1h10 par tour. J'aurais presque pu en faire un de plus si j'étais vraiment arrivé à 6h30 à la carrière. Et après voilà, le temps de remonter et tout, décharger. Il y a un voyage, j'ai perdu un peu de temps, il y avait Arwan qui pompait avec la tonne, donc le temps de le laisser passer. Donc j'ai remonté pas tout à fait 100 tonnes en 5 voyages, donc plutôt pas mal. Donc là il me charge, il y a un sacré chargeur là, je sais pas combien de tonnes c'est. Je crois que ça fait 200 chevaux il me disait. Donc le chargeur et le godet ils sont plus gros que quand je vais chercher du 0,31,5. Forcément, vu que c'est moins lourd comme produit, ben ils peuvent charger des plus gros godets. Ça me fait penser, je reçois des messages de gens qui me disent « Mais tu fais un bâtiment ?» Alors oui, on va peut-être vous expliquer pourquoi depuis 2 semaines je vous parle de terrassement, de pourquoi on ne fait pas de terrassement, de pourquoi on va chercher des pierres, de la pouzzolane et tout le bazar. Donc, comme vous le saviez, ceux qui suivent la chaîne assidûment et depuis un certain petit moment, on va faire un récapitulatif pour les nouveaux. Donc là, je me trouve dans notre futur bâtiment de stockage. Le bâtiment des laitières est juste au-dessus. Et donc ce bâtiment de stockage était prévu de construire avec mon installation. Donc le bâtiment fera 50 mètres de long au total. Il y a une partie où il fera 25 mètres par 12 de large et une autre partie 25 mètres par 20 de large. Donc il y a du boulot parce qu'il faut rehausser le bâtiment vu qu'on est au fond du trou afin qu'il soit hors d'eau pour pas que l'eau rentre dedans. Donc ça sera du stockage pour les bottes comme vous l'aurez compris. Et donc là il y a 2 pelleteuses sur le chantier. Il y a la grosse pelle là-bas, la 26 tonnes qui est avec un godet cribleur. J'essaierai de filmer ça pour trier les dernières pierres qui sont dans la terre. Et ici il y a une 18 tonnes, donc lui il écarte
les pierres, le tout venant, il a une lame et tout, il gère le laser en même temps et il passe le rouleau. Donc voilà un petit peu le chantier, comment ça se passe. I wanna run away, wanna make mistakes now. Cause I don't wanna stay, wanna live my own life. Eh bien, la transition, Olivier. Moi, je suis avec le 630. Qui est avec la tonne 2, la Cuma, la petite, la Josquin, là on en met un peu sur les prés qu'on fane, là, les vieux prés. Et il y a des endroits, ça penche un peu et tout, alors avant de faire un exploit, on sécurise le truc et on prend la petite tonne. Alors voilà, elle était pas grand chose débordée, on l'a attrapée au bon moment. Les conditions sont pas mal là, ça va, ça, c'est pas des prix encore qui craignent trop l'eau où je vais. Et du coup ça va pas trop mal, on s'enterre pas, on fait pas dormir ni rien, donc c'est bien bon. Après, la suite des épandages sur les prairies. Les prairies de 2 ans, ça devrait se faire nickel je pense. Il y a le voisin qui... Il y a le voisin qui le fait, qui a un port du visier dessus et ça lui fait pas dormir, donc ça doit porter. Et du coup, nous, je devrais faire pareil, mais après les prairies qu'on a juste semées ou même les métailles, je sais pas, ça sera pas la même. Bon, allez. L'herbe elle pousse pas, c'est ça, ça va attaquer qu'à démarrer. Ça va être le moment de passer un peu les bouseuses dans les prés et puis bientôt à mettre l'engrais dans les champs, sur les prairies ensilées, peut-être bien les céréales je pense. Je sais qu'il y en a, ils l'ont déjà mis à des endroits. On attend que ça se réussisse bien pour pas faire trop dormir et puis si ça peut faire, on essaiera de le faire. Là, moi je vois les vieux prés, ça porte. Alors voilà, un coup de visier et puis après, si ça peut se faire dans pas longtemps, un coup d'herse émousseuse, ébouseuse, je sais pas comment certains l'appellent ça. Ça écarte les taupes, ça écarte les merdes des vaches, enfin des génisses. Et ça enlève la mousse. C'est pour ça qu'on dit une herse émousseuse à certains endroits. Voilà. Mais pourquoi ça marche pas ça? Reflecting memories and the-
Bon, ben jamais 203, hein, comme on dit. Oui, je suis chez Laurent Fresnay, donc un petit garage agricole à côté de la ferme qui s'occupe un peu des petites pannes de la BNTP. Et donc, après le timon, le pneu de la 10 tonnes, eh ben, il ne restait plus que l'essieu suiveur de la BNTP. Donc, il y a une butée en fait qui s'est barrée et que quand je reculais, je ne pouvais plus bloquer l'essieu, tout se foutait en travers. Donc, je suis venu faire réparer ça. Parce qu'on peut pas travailler comme ça, donc tout se foutait en travers, ça allait vraiment pas du tout. Donc ceux qui sont dans le coin, pour les petits dépannages ou autres, même les gros dépannages, vous pouvez appeler Laurent Fresnay. Voilà, réparation immédiate. Donc je vais pouvoir continuer cet après-midi. Donc on aura fait un... ce sera du temporaire, on va dire, pour se dépanner, et après on refera une butée comme il faut, quoi. Et là, je pense pas que ça devrait lâcher. On va tourner un petit peu là. Lâcher un petit peu le verre. Ah, pour le faire tourner ? Ouais. Ouais, j'y vais. C'est bon ? Ouais, je vais tourner là. Ouais. Allez, nickel, réparation finie. Merci à toi Laurent. Dépannage express. On repart à la pierre, mais on change de carrière. Donc, comme je vous l'avais dit, on avait mis des pierres de chat en dessous. Là, on finit de ramasser les quelques dernières qui restent devant l'arrivée du bâtiment. Et de toute façon, il n'en reste pas des masses. Donc, je vais aller... à la carrière Perrachon, chercher du tout venant de basalte, histoire de faire quand même une sous-couche solide, puisque la pouzzolane, c'est pas mal, quoi, ça se cale bien dans les pierres, mais ça a tendance à faire un peu moulard sur le dessus, donc on va quand même mettre du tout venant de pierre bleue, histoire que ça se cale bien comme il faut. Allez, c'est parti. Donc Laurent Fresnay, au fait, je précise, il est sur la commune de Darsac, pour ceux qui me demandent. Journée de terrassement, pas à la ferme. Ouh, j'y ai bourré aujourd'hui. Je suis déçu, j'ai fait que 6 tours. Hier, j'en avais fait 9 ou 8, je sais plus. Sachant que c'était plus loin hier. La carrière, elle est plus près. Il fallait le temps de se mettre en place et tout, réparer la benne, comme vous l'avez vu. Et puis voilà. Donc sur la plateforme, ça a bien avancé. Là, tu vois, ils ont enlevé un peu mieux de terre. Ils ont ramassé quelques pierres qui restaient là-bas dans le talus. Et là, on met de la découverte dessus. Donc là, de ce côté, la limite du bâtiment est à peu près finie de terrasser. Donc il restera encore à faire là-bas jusqu'au talus. Histoire que ça porte et tout pour passer derrière pour faire le talus. Et donc là, dans la partie la plus large qui reste, on va faire un enrochement pour tenir le talus. Donc là, il y a encore du boulot, comme vous le voyez. Donc il y a de quoi faire encore. Et il y a encore toute cette partie à empirer, plus fignoler un peu partout la plateforme, parce que ça s'enfonce à des endroits, donc il faut faire quelque chose de solide. Mais voilà. On y arrivera tout doucement, et donc là ils ont pris le camion pour tourner un peu la terre. Qu'avec la benne TP on peut pas être de partout. Bon allez, moi je vais aller voir un peu mes vaches, voir un peu ce qui se passe au parage, et surtout aller traire ce soir. Ça fera du bien parce que tracteur, j'ai plus 18 ans moi. Au bout d'un moment ça me couche. Allez, c'est parti. T'as prévu un sablier ?
Tu vas en faire mon gaffe, hein, il a dit après. Moi, gros sanglier, comme Félix. Et là, tu vas reparer, là. Tu vas te protéger, là. C'est un exemple mental, là. Oh, regardez, merci. Il a pris sa douche, regarde, c'est bon, il est prêt à se coucher. Ouais, tu parles avec ses pieds de vache. Ça ne me rêve pas, c'est bon. Peut-être ça t'arrive, hein. Peut-être ça t'arrive, des fois. Tu dois se réveiller dans la nuit. Mais moi, je parle. Ah, celle-là, quand même, je l'ai loupée. Je ne me rappelle jamais ce que j'ai fait. Tu dois arriver au cours de tes vaches par exemple. Comme vous le voyez, on a changé de carrière. Donc on est à la carrière Perrachon, puisqu'on n'a plus de pierre pour mettre en sous-couche, pour mettre la pouzzolane. Donc là, on met directement du tire-mine, ça s'appelle. Bon, il n'en faudra pas non plus autant que ce qu'on a mis en pierre. Et il en faut bien au moins une bonne dizaine de voyages. Donc moi, je tourne avec la benne plus... L'entrepreneur, il tourne avec son camion, donc ça en avance un peu mieux. Mais donc voilà, là il y a du fin, de la grosse pierre, il y a un peu de tout quoi. C'est du tire-mine, c'est ce qu'il faut en fait exploser de la montagne avant que ça soit trié. Et en fait, la découverte, je vous avais dit une bêtise, la découverte, ce que j'avais pris quelques fois, en fait c'est pas du tout trié, c'est vendu comme ça, c'est du tout venant de découverte. C'est la couche qu'il y a en fait en dessous la roche et en dessous la terre. Un peu comme ce qu'on pourrait voir là-haut, je pense. Et donc là, la carrière en fait, elle est derrière là-bas. Et là il m'expliquait que. Le prochain tir de mine, il allait se faire sur ce morceau-là. Donc là, l'appel, c'est une Volvo, une 38 ou 40 tonnes, je crois que j'ai compris. Et ça a l'air d'avoir la patate. Donc ça vaut 6,50€ la tonne. Et dans une tonne, il y a moins de volume que dans une tonne de pouzzolane, quoi. Donc on charge juste le poids, quoi, mais ça fait moins de volume, quoi. Pour 21 tonnes, vous voyez, là, c'est à peu près plein. Puis en pouzzolane, la remorque, elle est bombée. Voilà. Il faut essayer de faire quand même attention à... On n'est pas à 500 kg près, quoi, mais on a compris, quoi. Essayez de faire un peu attention au chargement et surtout à la mécanique. Parce que là où il faut descendre, c'est un peu pentu et tout, donc j'ai pas envie d'aller me faire peur.
Allez, on se repart le vendredi. Donc hier, je vous ai pas pris. Toujours pareil, des pierres. Par contre, l'après-midi, j'ai attaqué l'engrais. Ça sera dans la vidéo pour la semaine prochaine. Cette semaine, c'était réservé exclusivement au terrassement du bâtiment. Je me suis un petit peu rendu compte que, par contre, eh ben, le souci, c'est que j'ai filmé pratiquement que en tracteur et que c'était difficile pour filmer un petit peu ce qui se passait sur le chantier, vu qu'il fallait faire beaucoup de transport. Et donc là, j'arrive au bâtiment et il y a Eurovia qui sont là pour... Il y a Eurovia qui sont là en fait pour faire l'enrobé du bâtiment. Et donc là, ils sont avec une raboteuse parce qu'il y avait du goudron d'abîmé devant le bâtiment. Donc ils sont en train de le raboter histoire de faire ça comme il faut. Donc c'est vraiment cool. Semaine prochaine, du coup, vous verrez ça. We'll be right back.
c'est la fin de la vidéo, c'est également la fin de la traite. Donc demain dimanche, vous l'avez compris, il y a le concours des Miss Montbéliard. Il faut que je revienne cette nuit pour faire la vache, histoire que la mamelle soit pas trop chargée au moment de passer pour le concours. Bon, je vous le dis, moi j'y vais sans aucune prétention de gagner, j'y vais vraiment par plaisir, par passion. Je vous tiendrai au courant si jamais je venais à faire un prix de section. Donc la vache est prête. Merci à mon collègue Adrien qui est venu tendre les pattes et la mamelle bien comme il faut avec une petite tondeuse. Donc voilà. Bon, sinon j'espère que le projet construction, bâtiment, fourrage vous plaît. C'est un beau projet, je suis très content de pouvoir réaliser ça avec mon installation. Donc ça va vraiment nous apporter du confort au moment de rentrer la paille, mais également de pouvoir stocker plus de paille et de ne pas avoir à en laisser dehors comme on l'avait fait, et éventuellement d'en stocker un peu plus en termes de volume les années où il y a beaucoup de paille, pour essayer de compenser un peu les années où il y en a moins. Voilà, plus le silo couvert, ça sera très appréciable pour l'hiver. Mais on en reviendra tout ça en détail l'hiver prochain, le moment venu et quand ça sera terminé. Bon voilà, allez, moi je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, encore merci à tous d'avoir regardé.